Fais le chat. Le chat, Mathias, là. Devant le professeur masqué, des élèves appliqués, mais plus encore des élèves éloignés les uns des autres d'au moins un mètre. En EPS, c'est la condition pour enlever sa protection et l'enseignant veille au respect scrupuleux du protocole. Ça part d'un bon sentiment, hein, ce que tu as fait. Mais il ne faut vraiment que vous le touchiez le moins possible. Et effectivement, dès que l'exercice nécessite déplacement et promiscuité, tout le monde se couvre. Pour le professeur, une situation gérée avec bon sens et un peu de stress quand même. On est moins serein dans ce qu'on propose aux enfants. On ne sait pas comment ils vont réagir, on ne sait pas s'ils vont bien réagir. On les voit de temps en temps, ils se mettent dans un coin, ils enlèvent le masque, ils voient, ils essaient de voir si on ne les regarde pas trop. Alors on essaie de concilier les exigences et puis le bien-être quand même des enfants pour essayer de faire au mieux. Des élèves qui majoritairement jouent le jeu, même si le sport masqué, c'est évidemment moins confortable. Au début, c'est pas gênant, mais à la fin, ça tient très chaud. C'est plus difficile de faire le sport parce que d'habitude, on peut respirer. C'est un peu compliqué, mais on a l'habitude. Au collège Ségurane, concertation et pragmatisme ont prévalu pour maintenir l'EPS, matière aussi importante que les autres. On ne doit pas sous-estimer ce moment où les élèves peuvent s'exprimer différemment avec leur corps, avec leur capacité à coopérer. Et partant de là, nous avons essayé de trouver les meilleures solutions. Comme privilégier les activités en extérieur ou poursuivre l'activité natation, un esprit sain dans un corps sain, même masqué.